Thebes, 1290 BC. C'est lui la momie, c'est lui! Et c'est moi aussi! Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level One! C'est Marcus, si. J'avais Bandelettosaur, voilà. Marcus le Bandelettosaur. Aujourd'hui, on va tester The Mummy, un jeu. Le film date un peu, mais le jeu est tout récent. Ils l'ont développé quand même assez vite. Apparemment, vous allez voir que c'est un peu bâclé. Oh, c'est moi. Comme dit Franck, te plains pas, t'en as que pour 20 minutes. Il y en a qui ont passé 2000 ans comme ça. Il fait très chaud. En fait, j'ai fait ce jeu juste pour le plaisir du costume parce que vous allez voir que c'est assez moyen. Il y a plus un seul rouleau de papier toilette dans tout Game One. C'est terrible, mais bon. C'est ça, les Level One, c'est le prix à payer de temps en temps. Des gros problèmes stratégiques à Game One à cause de moi. Mais tant pis, regardez ce qu'on lui fait à ce pauvre gars. Il a couché avec la reine et donc on en fait une momie. Et des milliers d'années plus tard, il y a des archéologues qui vont le déterrer et qui vont avoir des ennuis, évidemment, parce que c'est bien connu, il y a toujours une malédiction qui va avec les momies. Donc moi, je sens que je vais être maudit sur ce Level One aussi. On va voir ça tout de suite. Je laisse l'intro parce qu'elle est superbe. C'est des images tirées du film qui étaient vraiment superbes. Un peu écœurant le film, enfin il y en avait trop, il y avait trop de trucs, trop d'effets spéciaux, trop de machins partout. C'était bien au début, puis ça devenait un peu saoulant sur la fin. Mais bon, ça reste quand même un film assez impressionnant. Le jeu, vous allez voir, c'est un peu du Tomb Raider, en moins réussi, faut quand même le faire. C'est-à-dire c'est encore plus injouable et irraté que Tomb Raider. Mais, allez savoir pourquoi, j'étais parti avec un gros a priori défavorable en me disant « Je vais le casser ce jeu, parce qu'il n'a pas l'air terrible, mais au moins j'aurai un costume rigolo. » Et puis finalement, j'ai joué et j'y ai pris goût. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Allez, je coupe l'intro, c'est le film, si vous l'avez vu, bah, vous connaissez déjà de toute façon. Tac, et on va commencer, on va démarrer tout de suite le jeu. Il y a des temps de chargement un petit peu longs. Donc voilà. Donc je vous dis, j'avais un a priori assez défavorable, et puis en y jouant finalement, j'ai trouvé assez rigolo. Surtout pour l'ambiance, écoutez ça. What was that? It came from over there. Alors elle est en robe du soir dans le désert. Ils sont pas bien ces Américains. I'll just check back here. Ça c'est nous, c'est le héros, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors premier truc, je vous suis dit ça va me faire rire, regardez comment il marche. Ça c'est quand même la première étape. Alors soit ce garçon est trop serré dans son pantalon, soit il a fait pipi dans son pantalon, voire plus si affinité. Mais il a un gros problème et quand il court c'est encore pire. Donc vraiment, déjà l'animation est pas terrible, l'animation du personnage vous allez voir que c'est une vraie catastrophe, la maniabilité ses limites aussi, et pourtant allez savoir pourquoi j'aime bien, moi j'aime bien les trucs genre Indiana Jones et tout ça, donc je sais pas, j'y ai accroché, surtout la musique vous met vraiment dans l'ambiance, c'est la musique du film donc c'est très très symphonique, vous entendez? Et je crois que ce sont les voix des acteurs. Une grosse voix virile, on dirait Sylvester Stallone un petit peu, mais je crois que c'est la voix vraiment de l'acteur. Ok, no problemo, il a dit qu'on avait relâché la créature qui attendait depuis 3000 ans, il a un accent anglais pire que moi ce pauvre garçon. Pourquoi en cherchant bien on trouve toujours pire que soi. Donc voilà, c'est parti, donc on m'explique tout au fur et à mesure, vous avez vu qu'il y avait un petit mode tutoriel qui m'expliquait comment utiliser les trucs. Regardez, je peux par exemple allumer ma torche. Ça permet d'y voir plus clair et ça permet surtout de récupérer quelques points de vie en éclairant certains hiéroglyphes. Donc eh ben, on va faire ça. Voilà, là, je vais sauter brillamment par-dessus un précipice. Et voilà déjà un gars qui m'attaque, donc vite, je vais attraper mes flingues, me retourner et on va tirer sur ce pauvre mineur. Regardez, ils partent en fumée, ça prouve que c'était des types, comment dire, maléfiques, que c'était pas des vrais humains. Alors regardez ces hiéroglyphes, en fait, c'est des trucs qui permettent de récupérer, je crois, des points de vie. Et pour ça, il faut prendre une torche, l'allumer. Alors ça, c'est les flingues. Moi, je voulais juste la torche. Voilà. Et l'approcher des hiéroglyphes, regardez bien, il va se passer des trucs magiques. Oh. Et voilà. Et j'ai récupéré quelques petits bonus. Il y a différents bonus. Voilà. On va continuer par là. Donc le truc que vous avez remarqué techniquement qui est assez minable, c'est le clipping.
C'est vraiment redoutable, même quand il est dans une pièce qui est grande comme une salle de bain, on voit pas le mur du fond, parce que l'ordinateur ne l'a pas encore calculé. Là, par exemple, vous voyez, on a l'impression que c'est loin, qu'on peut aller loin devant, alors que le mur est quand même juste là. Oula, encore un mineur, vite! Alors, vous voyez qu'il est un peu pâteau. Déjà, quand il marche. Quand il court, c'est pire, regardez. Quand il court vraiment, on a l'impression qu'il file aux toilettes, qu'il faut qu'il y arrive très très vite, regardez. Il est penché vers l'avant, il a vraiment du mal, le pauvre. C'est redoutable. Donc les animations sont pas terribles, vraiment. Et alors sinon, pour le reste, bah, ça ressemble beaucoup à du Tomb Raider. C'est-à-dire des énigmes avec des fermetures, des ouvertures, des colonnes à pousser, etc. Et puis pas mal d'exploration. Alors par contre, ce qui est sympa, c'est... on va prendre le... voilà. On va reprendre la torche pour allumer ces deux hiéroglyphes. Voilà, j'en suis à 5 sur 8. Si j'arrive à trouver les 8 sur 8, ça va me faire un petit bonus. Voilà. Et là, c'est fermé pour le moment, donc il faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Il y a des leviers à déclencher en général. Vous voyez, par exemple, ce pharaon là, je ne sais pas si vous apercevez, mais il y a comme une rainure en bas. Donc je vais passer en mode vue subjective et regarder au sol. Vous voyez, on aperçoit qu'il a été reculé, qu'il est rentré dans le mur en fait. Et il y en a un autre juste en face qui lui n'est pas rentré dans le mur. Donc je vais le pousser. Hop. Et voilà, ça devrait ouvrir. Alors, peut-être pas ce mur là. Ouais, si c'est ce mur là, très bien. Je ressors les flingues, j'ai entendu comme une bête. J'ai essayé d'être le plus prudent possible et de ne pas me faire tuer bêtement. Ah, ça, c'est des espèces de clés qui permettent d'ouvrir des portes. Je vous dis, c'est aussi bête qu'un Tomb Raider. Hein. Moi, avoir clé pour ouvrir porte, en général, c'est toujours ça. Mais il y a des trucs pas mal. Par exemple, quand vous escaladez un truc, il range automatiquement ses petites affaires dans son sac à dos, que ce soit une torche enflammée ou des flingues. Je vous fais la démonstration. Regardez, par exemple, je vais prendre... voilà. Je vais prendre une torche enflammée. Je l'enflamme, mesdames, messieurs, et il va la ranger dans son pantalon. Devant vos yeux éblouis, attention, c'est parti, regardez, hop. Il s'éteint le truc dans les fesses, en fait. C'est assez spécial comme truc. Voilà, en tout cas, vous avez vu, j'ai poussé les deux boutons et ça a ouvert la porte à côté. Là, faut que je fasse gaffe, il y a des petits scarabées. Tu peux les griller, tiens, on va faire du scarabée grillé, ça va être sympa. Je suis sûr qu'ils mangeaient ça, les Égyptiens. Ah bah non, il n'y a plus de vasques. Ah si, elles sont là. Voilà, tac. Ça va me permettre de mieux les griller. Alors, ils sont sur le sol, on vous les voit pas toujours très très bien. Là, il y en a un, j'entends un bruit. Vous voyez, il est juste devant, on l'aperçoit à peine. Ah, voilà. Et là, on peut aussi casser les vases pour prendre ce qu'il y a dedans. Donc vraiment, c'est du Tomb Raider, tout craché. On reconnaît même le côté égyptien, évidemment, c'est un peu pareil. Il m'a pas vu, lui, super. Je vais le tuer de loin comme un lâche. Un gars qui m'a pas vu, c'est pas lamentable. Donc, vous voyez, le système de visée, c'est pas terrible. Il est censé viser tout seul les adversaires, mais en réalité, parfois, ils visent vraiment à côté. Surtout s'ils sont pas au même niveau que vous. Ce qui était le cas là, il était un peu en contrebas et il a pas franchement visé correctement. Donc voilà, jouabilité, pas génial. Faut vraiment, je pense... Ah, il y a un scarabée qui m'a mordu! Tiens, saleté! Il m'a mordu le pied. Mais... Donc faut vraiment être fan des trucs genre Tomb Raider. Avoir aimé, je pense, le film La Momie, pour son ambiance et tout ça. Ah, il y a un gars que j'avais pas vu. Il est caché derrière moi, en fait, qui m'a attaqué. Vite, mes flingues. Alors, c'est un peu lâche. Alors, il est pas très vigoureux quand il tire. Regardez les sauts aussi. Le saut est assez ridicule. Et je parle même pas du bruit. Je pense qu'il a vraiment, vraiment des problèmes de constipation. Autrement, c'est pas possible. Bon, on va récupérer. Voilà, il y a des munitions. Vous avez vu, il y a des petites cachettes par endroit. Alors, pas toujours, mais assez souvent. Des petites cachettes, quelques bifurcations, des endroits où récupérer des bonus. Là, j'ai récupéré ma torche. C'était par où? Parce que vous voyez, le problème, c'est qu'il y a tellement de clipping et il affiche tellement les décors au fur et à mesure qu'on finit par s'y perdre. Si par exemple, je vais mettre au milieu de cette pièce, je vois plus du tout l'endroit par lequel je suis rentré. Vous voyez, on voit plus les murs du fond là. Donc le clipping, c'est pas que ce soit un problème technique, c'est que c'est un problème de jouabilité. Là, en l'occurrence, je sais pas trop de quel côté aller. Bon, il se trouve que c'est par là, ça va. Mais ça aurait pu être pire. Ah, j'ai une autre arme là, je sens qu'il y a des gars qui vont arriver. Regardez, j'ai une espèce d'arme magique. On dirait une rame, un petit peu. Ça permet de venir à bout de plusieurs adversaires à la fois. Voilà, vous avez vu? Un nuage de fumée magique. C'est assez efficace. Je vais reprendre les flingues, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, encore une clé qui va me permettre d'ouvrir un truc sans doute un petit peu plus loin. Là, vous voyez que c'est un cul-de-sac, je peux pas faire grand-chose. Ah, il y a encore un petit truc mûche. Tiens, on va essayer de tous les faire, juste pour voir. Allez, cours! Juste pour nous faire rire, s'il te plaît. Voilà, merci. Je ressors ma petite... ma rame, là. Il y a une rame la torche, je trouve. Allez, cours! Ah, c'est horrible. Voilà, 6 sur 8, il en reste plus que 2 à trouver. Alors, l'autre truc aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a ses bottes dégueulasses. Il salit partout où il passe, c'est assez terrible.
Ça laisse des traînées derrière lui. Regardez, vous voyez les traces de pas, on voit pas bien parce qu'il y a mes épaules. Regardez, derrière lui, ça laisse des traces de pas à chaque fois qu'il marche dans le sable. Donc un gars comme ça dans une cuisine, c'est pas possible. Il vous dégueulasse le carrelage en moins de deux. Enfin voilà, donc plein de petits détails comme ça, finalement assez rigolo. Tiens, des munitions, ça va pas me faire de mal. Et je récupère les fringues. Bon, on a trouvé la clé, j'ai récupéré le maximum de petits trucs à allumer avec des torches. On va pouvoir passer à côté. Les effets de lumière sont pas mal souvent aussi. La torche qui éclaire, tout ça, c'est pas mal. Bon, c'est du déjà vu, hein, c'est vraiment du Tomb Raider. En pire, je dirais, parce que c'est encore moins jouable. Donc moi déjà qui râle sur la jouabilité des Tomb Raider, là, il y a de quoi hurler, mais allez savoir, de temps en temps, on a un petit coup de cœur. Regardez, quand je vous disais qu'il avait des pieds dégueulasses, vous voyez derrière lui, regardez. Il a tout sali, tout dégueulassé. Alors ce qui est magique, c'est que les traces de pas s'effacent au fur et à mesure. Quand même. Ça reste pas sale trop longtemps. Donc vous voyez, là, j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte, et il a rangé ses petits flingues automatiquement. C'est un garçon très ordonné. Oh là là, il y a un sale bruit. Not right here. Il a dit, il y a quelque chose qui cloche ici. Tu m'étonnes. Des momies viennent de 4000 ans qui sont ressuscitées, c'est normal que ce soit un peu bizarre. Ah, là, on va le voir faire de l'escalade. Hop. Et on va attraper cette espèce de grosse clé. Pas la taille du porte-clé. Et on va aller se battre contre la momie qui est juste en dessous. Alors, on peut se retourner d'un coup. Ça, c'est pas mal. Il y a une touche qui permet de se retourner d'un coup. Ça permet de viser. Vous avez vu que l'angle de caméra est pas génial. On a beaucoup de mal à voir l'adversaire. Il y en a deux en plus. Ouf, voilà. Et ça vole en fumée comme dans le film. Allez, grimpe. Cours, Forest, saute, Willy. Alors là, je sais plus par où c'est. Eh ben, on va visiter, on va voir. Oula. Là, il y a du monde. C'est pas bon pour moi. Là, vous voyez, je suis acculé, je peux pas faire grand-chose. Heureusement, j'ai encore beaucoup de munitions. Mais il y a parfois, on est à court de munitions et ça devient compliqué d'aller chercher des munitions. Alors, on peut évidemment toujours tuer les gars à coups de rame, enfin à coups de torche, mais c'est plus long. Alors qu'une momie, on aurait pu se dire, ça brûle bien. Là, moi, par exemple, s'il y a un incendie, je suis mort dans les 4 secondes avec mon papier toilette sur le visage et partout. Donc, prions pour qu'il n'y ait pas d'incendie à Game One. Sinon, plus de level 1. Ou alors mes successeurs, que vous avez peut-être vu à l'œuvre d'ailleurs, Pili et Pilote, qui ont fait un level 1. Dans mon dos, les traîtres. Enfin, pas dans mon dos, en tout cas, mais c'était rigolo comme tout. Ils ont fait un level 1, vous l'avez peut-être vu. Voilà, donc au moins, j'ai des successeurs, ça va, je suis rassuré. J'ai deux jeunes Jedi formés qui pourront me remplacer en cas de problème. Donc finalement, il peut y avoir un incendie, c'est pas trop grave. Ah, regardez l'interrupteur, et là, on avait du mal à le repérer. La porte est sur le côté. Donc, ah oui, un truc que je voulais vous faire voir, c'est encore le syndrome Lara Croft. C'est le torticolis. Si je passe en vue subjective, regardez, hop, je peux regarder à gauche de 2 mm, genre comme ça, j'ai mal au cou, je peux pas bouger. Et à droite, de la même façon, sur le côté. Et en haut, c'est pareil, je peux pas lever la tête plus que ça, ni la baisser plus que ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans les jeux genre Lara Croft et tout ça. Ils ont un angle de vue absolument minable, ils peuvent regarder un peu à droite, un peu à gauche, comme s'ils avaient une minerve en fait, c'est assez redoutable. Évidemment, c'est encore un truc qui nuit à la jouabilité quand on veut observer le décor autour de soi. C'est quand même un petit peu gênant de se retrouver avec le cou complètement bloqué. Oh là là, eux, ils sont dangereux. Donc vite, 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 je vais prendre l'espèce de truc super balèze. Ce sera encore le plus efficace. Voilà. Ouf. Par contre, mes points de vie à moi, ça va pas fort. Bon, au moins, j'ai réussi à me débarrasser. Ah, je croyais des deux d'un coup, mais pas du tout. Bon, est-ce qu'il est capable de sauter? Ils sont un peu idiots, donc faut pas trop s'en faire en général. Ils vous suivent pas vraiment, vous voyez, ils restent bêtement de l'autre côté. L'intelligence artificielle des adversaires, c'est vraiment lamentable. Ouais, il est tombé, super. C'était par où? Je me souviens plus à cause du clipping, c'est horrible. Allez, on va dire que c'était par là, puisque je suis pas passé par là encore. Vous entendez les musiques depuis tout à l'heure? Ça, c'est bien, parce que ça met bien l'ambiance. J'ai aperçu encore un truc. Hop, on va aller l'éclairer. Voilà. 7 sur 8, il m'en reste plus qu'un à éclairer. Je sais même pas ce que ça fait, parce qu'on n'est pas obligé de le faire ce truc-là, donc je sais pas ce que ça rapporte. Ah, il y en a encore un là? Ouais. Ça y est, 8 sur 8. Ah bah j'ai gagné une vie, voilà, c'est ça en fait, j'avais oublié. Vous voyez la tête du gars en haut à gauche? Voilà, j'ai 5 vies encore. Ah, ça a l'air d'un cul-de-sac, mais on peut grimper par là. Quand on se trompe pas de touche et quand on tire pas dans le mur au lieu de sauter. Je suis tête en l'air des fois.
Oh là, il y a eu comme un bruit. Alors là, par exemple, vous voyez, ils sont en l'air. Ah non, je vais me retourner dans l'autre sens. Eh ben, je peux pas regarder, je peux pas lever la tête pour les voir. Ce qui est quand même dommage, j'aurais bien aimé leur tirer dessus. Ou au moins voir qu'ils étaient là. Donc vraiment, gros problème de jouabilité. C'est marrant parce que le film est sorti il y a longtemps, donc a priori, ils auraient pu avoir le temps de tout régler, de faire un bon jeu. Et pourtant, bah, on sait pas ce qui s'est passé. En fait, on dirait bien un jeu bâclé pour sortir en même temps que le film, sauf qu'il n'est pas sorti en même temps que le film. Mais c'est aussi bâclé que s'ils avaient eu 2 mois pour le faire. Donc je sais pas, il y a un mystère. C'est peut-être les systèmes de rachat entre Universal et les autres qui ont fait qu'ils ont peut-être lancé la production du jeu vidéo au dernier moment. Et on leur a pas laissé plus de temps pour le faire que d'habitude. Résultat, c'est un truc pas terrible. Bon, je suis déjà passé par là. Hein. Là, je m'en souviens très bien. Donc, c'est forcément par là. Non, là, j'en viens aussi. Donc, c'est pas par là. C'est très, très dur de se repérer, en fait, puisque, encore une fois, on voit pas plus loin que le bout de son nez. Il est un peu myope, ce pauvre garçon. Donc, c'est assez difficile d'arriver à se repérer. C'est peut-être là, en descendant dans le trou, alors. Ah oui, j'ai dû récupérer un truc entre-temps. Je sais plus si j'ai récupéré une clé. On dirait bien que oui. Voilà, super. Il y a quelqu'un ? J'ai peur. De temps en temps, on sursaute parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont planqué des monstres un petit peu partout. Et il y en a de temps en temps qui jaillissent du mur. Donc tout à coup, le mur sur le côté s'écroule et il y a une momie qui vous tombe dessus. Et ça, ce côté surprise est assez réussi. Ah, juste une petite énigme pour finir. Regardez, on peut faire pivoter ces panneaux. Je vais ranger ces flingues parce que sinon ça va être un petit peu pénible. Voilà. On peut faire pivoter ces panneaux pour faire apparaître des dessins différents. Donc là, celui qui ouvre la porte, c'est le dessin juste à côté. Voilà. Donc vraiment, ça encore, c'est du Tomb Raider avec les rouages et tout, les trucs à récupérer, les clés, les portes, etc. Oh, oh, il y a quelqu'un. Bon, voilà. Bon, en tout cas, ça vous aura donné une idée de la momie. Ah, vite, sors ton flingue, espèce de boulet. Ah. Voilà, et je vais m'arrêter là. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour ce level 1. Vous aurez compris. Putain, il fait trop chaud. Allez, hein. Oui, c'était vraiment moi et je suis monstrueux encore plus sous les bandelettes. Allez, à bientôt pour un prochain level 1. Soyez sages, ciao.